Ông cứ cho. Ông chúng mình chúng ra báo cáo mình to cái tầm đại ca nơi tiết thi tầm bạc cá nâng phát đào được cái chương trình tham dự vì cái việc cái đây khi dùng phốn đâm mây mình to cả đạo bằng hai ai cả ta còn được bọc luôn. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai l'indiqué avant la pause, je passe maintenant à d'autres types de documents, et notamment un article de Steve Eder, E3-4527, intitulé, c'est un long titre, « Réévaluation du rôle joué par les hauts dirigeants et les responsables locaux dans les crimes commis sous le régime du Cambodge démocratique. La responsabilité cambodgienne située dans une perspective comparative. » Tout d'abord, je tiens à rappeler que Steve Eder a déjà déposé dans le procès 02-1 et qu'un certain nombre de questions lui ont déjà posé sur cet article dans le cadre d'un interrogatoire qui était limité puisqu'il n'avait pas comparu comme expert. Je rappelle également que nous avions demandé sa comparution à nouveau devant cette chambre pour aller plus avant dans la discussion, mais que malheureusement notre demande a été rejetée. C'est toujours problématique parce que lorsque nous avons un auteur qui a travaillé pendant de longues années comme Steve Eder sur le Cambodge démocratique, qui a sa réflexion nourrie par les différentes recherches, les éléments nouveaux, avoir une réflexion figée dans le temps avant même le début du procès est problématique. Mais en tout état de cause, je voudrais quand même reciter ou citer deux passages de cet article qui sont intéressants. Un premier passage. Il évoque la question des coopératives et du peuple nouveau dans les coopératives par rapport à des documents d'époque qu'il a étudiés. Et un deuxième passage sur la question des ennemis et le mode de gestion au niveau local de cette question. Premier passage donc, de cet article 3-4527 à l'ERN en français 00-792-921 à l'ERN en anglais 00-661-4-62 et ça se poursuit sur la page suivante et en Khmer 00-8-3-0-7-6-8 et ça se poursuit également sur la page suivante. Et voilà quel est le fruit des recherches de Steve Eder sur la question du peuple nouveau dans la littérature du Cambodge démocratique. Je ne vais pas citer les notes de bas de page. Les citations sont issues, mais j'attire l'attention de la Chambre des parties pour le fait qu'il y a chaque fois des notes de bas de page quand il y a des guillemets sur les termes utilisés. Pour faire du peuple nouveau, une composante stable d'un, entre guillemets, bloc monolithique de solidarité avec le pouvoir étatique révolutionnaire, fin de guillemets, les cadres locaux avaient pour instruction de se situer à l'égard des évacués, ouvrez les guillemets, dans une perspective d'ouverture, fermez les guillemets. En faisant preuve de, ouvrez les guillemets, souplesse et d'indulgence, fin des guillemets, vis-à-vis d'eux, et en ne les considérant en aucun cas comme des, ouvrez les guillemets, prisonniers de guerre. Ils devaient aussi prévenir, entre, ouvrez les guillemets, l'intolérance entre le peuple ancien et le peuple nouveau, fermez les guillemets, en les faisant travailler côte à côte dans une, ouvrez les guillemets, ambiance de bonheur et de solidarité, fermez les guillemets. Ils devaient améliorer le niveau de vie du peuple nouveau pour, ouvrez les guillemets, lui montrer que ce régime était le sien, fermez les guillemets. Veillez à ce que le peuple ancien lui fasse bon accueil et partage avec lui les terres, le bétail et la nourriture. Les anciens ne devaient pas profiter du travail du peuple nouveau, mais soutenir ceux qui viennent tout juste d'arriver à la campagne avec pour seul bargage leurs mains nues. C'est entre guillemets. Montrant ainsi
ouvrez les guillemets, leur absence totale de préjugés, fermez les guillemets, à l'égard des nouveaux venus. Le peuple nouveau et le peuple ancien devaient donc, ouvrez les guillemets, vivre, travailler, étudier, s'amuser, jouir de la prospérité, souffrir de la faim ensemble, dans la collectivité que constituent les coopératives. Fermez les guillemets. Les cadres étaient prévenus. Une véritable rééducation du peuple nouveau exigeait du parti qu'il fasse la preuve que la révolution pratiquait vraiment l'égalité économique prônée. Cette politique était transmise aux organes locaux du parti sous la forme des instructions suivantes. Les évacués doivent être considérés comme faisant, ouvrez les guillemets, partie intégrante du peuple cambodgien et non comme étant tous des ennemis. Fermez les guillemets. Il faut donc, ouvrez les guillemets, prévoir de la nourriture, de l'eau et un gîte pour les évacués, tuer des animaux, donner des aliments aux évacués et du riz provenant de la coopérative. Fin de citation. Un autre point sur la question des ennemis, des arrestations qui soulevaient par Steve Hader dans cet article. C'est à l'URN en français 00792933, à l'URN en anglais 00661475, et à l'URN en Khmer 00 8 3 0 7 8 9. Le plus souvent, je vais peut-être commencer à la fin du paragraphe précédent. Cette façon de procéder s'appuyait toutefois principalement sur les rapports du district, de sorte qu'un, et il cite quelqu'un, qu'un grand nombre de personnes ont été tuées pour rien, contrairement à la politique définie en haut lieu, comme les cadres l'ont eux-mêmes reconnu par la suite. Là, dans la citation, Hader renvoie à des entretiens qu'il a menés, que nous verrons un petit peu plus tard. Le plus souvent, cependant, les personnes arrêtées dans les villages étaient, semble-t-il, envoyées à la sécurité du district pour être interrogées. Et bien que le district dépendît du secrétaire de secteur, la plupart des détenus étaient tôt ou tard exécutés à l'initiative du district lui-même. C'est là l'illustration de ce que les secrétaires de zone et de secteur se contentaient souvent de transmettre les instructions générales d'en haut aux cadres locaux jusqu'à l'échelon du district, sans par ailleurs prêtait grande attention au point de savoir si ces derniers faisaient ou non ce qu'ils étaient censés faire. Comme quelqu'un l'a dit plus tard, les forces de sécurité du district, entre guillemets, se sont écartées de la ligne du parti en mains endroits, en arrêtant et en exécutant, entre guillemets, ceux qui avaient volé ceci ou cela, y compris ceux qui avaient volé une seule gourde ou un seul fruit. Nouvelle citation, ceux qui étaient malades et dans l'incapacité de travailler, ainsi que d'autres, entre guillemets également, qui présentaient quelques menus défauts. Ceux enfin, éteints pâles, qu'ils accusaient à tort d'être des bandes d'assac ou d'avoir, entre guillemets, mené des activités contre révolutionnaire pour pouvoir ensuite les tuer. Enfin, comme cela ressort des témoignages des membres du peuple nouveau, les autorités des villages, des coopératives et des sous-districts agissaient également souvent de leur propre initiative par l'intermédiaire des chefs et des informateurs placés sous leurs ordres. Parfois, elles ignoraient purement et simplement les échelons supérieurs, mais en certains endroits vers 77, si ce n'est auparavant, les autorités du district leur avaient dit de façon informelle qu'il était, et c'est entre guillemets, qu'il était plus facile de tuer le peuple nouveau que de le rééduquer, de le rééduquer ou de le nourrir. Fermez les guillemets. Et qu'elles pouvaient donc tuer qui bon leur semblait parmi le peuple nouveau sans en informer le district. Ces autorités de district savaient que le fait de donner le feu vert
pour les exécutions était contraire à la politique du parti. Aussi, les échelons supérieurs du parti n'étaient-ils pas informés de l'ampleur des exécutions? Car les informer, c'était reconnaître que la ligne du parti n'était pas correctement appliquée. Fin de citation. Un deux extraits qui étaient intéressants pour voir comment parler en évoquant la situation de ce qui se passait sur le terrain, parler de politique du PCK ne correspond pas à la réalité et correspond d'autant moins à la réalité qu'il y a un mythe d'un contrôle total des coopératives et des différentes communes et secteurs par le centre. Et là, je tiens à citer un autre document qui a été établi à la fois par Stephen Heder et Masato Matsushita. C'est le document E3/1714 qui est une collecte, on va dire, d'audition de réfugiés campuchiens à la frontière thaïlandaise. C'était en février-mars 1980. Dans un premier extrait qui se trouve une première personne interrogée. Tuchrin alias Krin était le cadre en chef de la région de Kampong Sam au milieu de 78, puis il a disparu, et d'aucuns ont dit qu'il a été emmené à Tulsang, et son nom apparaît dans le nouveau cabinet du Kadesh. Yang Saré a dit, deux mois avant l'invasion vietnamienne, que le comité central n'avait pris alors que sur 45% des coopératives dans le pays. Un de ses adjoints, un membre du parti du nom de Khmer, a dit que certains cadres du parti avaient brûlé la ligne du parti pour poursuivre la ligne ultra-gauche et miner le parti par la base. Même les plus à droite avaient tactiquement poursuivi la ligne ultra-gauche pour miner le parti. Nous avons alors compris que l'un des problèmes était que chaque coopérative était censée être une petite société autonome et que les coopératives étaient censées fournir au niveau supérieur des statistiques concernant la production de riz, la population et les besoins. La quantité de riz à envoyer à l'État relevait de la seule responsabilité du chef de coopérative, mais beaucoup de chefs de coopérative gonflaient les chiffres de production pour se donner bonne contenance aux yeux du parti et envoyer le riz à l'État aux dépens de la consommation du peuple. Ça, c'était un témoignage intéressant parce que, alors là, je précise quand même, j'ai mal cité le début de ma citation, Tuchrin, là, on évoquait Tuchrin, mais la personne qui parle et qui donne cette information, c'est un certain Sarinchak. Et on trouve son nom à le RN précédent dans toutes les langues. Donc cet extrait et ce témoignage est intéressant dans le sens où il évoque, comme on a pu l'évoquer à plusieurs reprises de certains témoins dans cette chambre, la question des faux rapports qui étaient envoyés à l'échelon supérieur et du fait que le riz envoyé à l'échelon supérieur, normalement, était à la discrétion des chefs de coopérative, malmené et mal géré parce qu'on voulait se faire bien voir à l'échelon supérieur. Un autre point intéressant dans ce document, toujours donc 3/1714, et on retrouve cela à l'URN en français 00648992, à l'URN en Khmer 00324
Encore un témoignage qui évoque la question des coopératives. Et il est dit ceci. On a alors expliqué que les coopératives étaient destinées à renforcer l'arrière du champ de bataille afin de créer les conditions permettant de renforcer les forces pour le soutien des coopératives à l'arrière. Avant les coopératives, des unités de l'armée faisaient au village des demandes de vivres qui n'étaient pas durées. Mais en réalité, ces demandes émanaient d'individus. Puis, après les coopératives, les unités de l'armée devaient adresser les demandes de vivres, hormis le riz, aux coopératives, et les chefs de coopératives les approvisionnaient selon ce qu'ils voulaient ou en fonction de ses possibilités. Donc, 1974 a été la première campagne dans le système des coopératives. Les résultats étaient suffisants. Les résultats n'étaient pas meilleurs que l'année précédente, mais la distribution était meilleure, une distribution équitable. Dans les zones où la terre était fertile, il y avait un surplus. Les coopératives qui avaient un surplus et des selles où il y avait des pénuries. Pendant la campagne 74-75, les coopératives étaient censées garder 13 tonnes de riz pour la consommation de la population. Elles devaient également mettre de côté des semences de riz pour les cultures de l'année suivante. Le reste devait être envoyé à l'organisation pour qu'elle puisse en disposer. En fait, ce surplus était conservé dans les entrepôts des coopératives et des entrepôts spéciaux séparés pour l'organisation. Fin de citation. Donc, dans cette collecte de témoignages de réfugiés, il y a ce témoignage qui évoque le début des coopératives et comment c'était organisé et qui préfigure l'organisation future des coopératives. C'est un élément qui était utile à mentionner. Et toujours sur la question de la récolte du riz et de ce qui se passait, cette fois-ci, après la libération, le passage qui m'intéresse se trouve le RNN en français 00-6-4-8-9-9-4 à l'URN en Khmer 00-3-2-7-3-5-4-8-5 à l'URN en anglais 00-1-7-0 Après la libération, le système était qu'avant chaque campagne de plantation, chaque région tenait un congrès pour décider de la quantité de riz à planter et comment. Puis, après le repiquage et la récolte, il y avait un autre congrès régional pour décider combien de riz il fallait garder pour la population et combien il fallait envoyer au centre. En général, le centre du parti ne fixait pas de quota pour les régions, mais chaque région était responsable de faire le maximum. Les régions étaient censées assurer des rations garanties pour leur population et suffisamment de riz pour soutenir leurs troupes régionales. Le surplus était censé être remis à l'organisation pour vente à l'étranger. Et comme il y avait des traîtres dans plusieurs régions qui voulaient se faire une bonne réputation, ils envoyaient trop de riz au centre, et c'est ce qui a causé un grand nombre de morts parmi la population de ces régions. Les traîtres ne pensaient pas d'abord aux rations de la population, comme ils étaient censés le faire, mais envoyaient du riz au centre pour grimper dans la hiérarchie. Le principal problème était qu'à tous les niveaux, il n'y avait pas suffisamment d'analyse concrète de la situation réelle. Tous se contentaient de croire les rapports écrits des autres et les cadres traîtres rédigeaient simplement de faux rapports et gardaient tout le riz pour eux-mêmes et ne nourrissaient pas la population. Le 20 décembre 1976, j'ai assisté à une réunion à l'école du parti dans l'ancienne ambassade française
L'école centrale du parti n'était pas cet endroit, mais l'Institut technique soviétique, dont Nunchia était le responsable. À cette réunion, il a été dit que la région Est avait la capacité d'envoyer presque 50 000 tonnes de riz. Les capacités des autres régions n'ont pas été mentionnées. Dès lors, en 1977, la région Est était censée envoyer 50 000 tonnes, mais n'en a envoyé aucune, parce que Sao Kim a tout envoyé au Vietnam. Normalement, le riz aurait dû arriver au début de 1977, mais au lieu de l'envoyer, Sao Kim l'a enlevé à la population et l'a vendu aux Vietnamiens. Il a menti au peuple en disant qu'il l'avait envoyé au centre, parce que la région Est devait du riz au centre en échange de marchandises envoyées à la région Est. Fin de citation. Ça, c'est un témoignage et un exemple d'un cadre qui a assisté à des réunions évoquant la question des quotas et qui souligne encore une fois que le problème des faux rapports était quelque chose qui a certainement biaisé la question des envois du riz au centre et des choses qui étaient nécessaires, qui étaient utilisées pour l'exportation. Et là encore, pour toujours continuer sur cette question de, il n'y a pas forcément un contrôle total du centre sur les régions, sur les communes, et il y avait des choses qui n'étaient pas contrôlées et qui étaient du ressort des responsables locaux. Je voudrais citer deux passages de l'ouvrage de Burgler, Les yeux de l'ananas. Un premier passage que l'on trouve au document E3-7-2-6-0 et URN en Khmer, je pense que c'est 0156-9-5-9. Et il est évoqué la question du marché noir, qui était clairement la politique du PCK. Et voilà ce qui est indiqué. La participation active des Khmer Rouges au marché noir semble contredire leur image d'éléments effacés et disciplinés. Selon Leder, cependant, les cadres s'appropriaient ce qui était censé être collectif, propriété de l'État ou de la coopérative. Yataï le confirme lorsqu'il affirme que les cadres locaux ne signalaient pas souvent le cas des cas de décès parce qu'ils recevaient du riz à distribuer sur la base de la taille de la population sous leur responsabilité. Par conséquent, le supplément de riz qu'ils recevaient et peut-être aussi des portions de leur ration normale étaient changés contre des objets de valeur. La suivante, nous avons le pouvoir, nous prenons ce que nous voulons. Fin de citation. Un autre passage de cet ouvrage, Les yeux de l'ananas, se trouve au document E3-7263. ERN en français 0-3-0-5-6-6-2 ERN en anglais 0-0-9-9-5-8-3-1 et ERN en khmer 0-1-0-5-6-9-7-0 et il est évoqué la question de la, du fait qu'il n'y avait pas une direction homogène. C'est un article qui est intitulé 6.1
Un paragraphe 46.1 dissension au sein du parti. La direction n'était cependant pas homogène. Après la libération, le groupe de Pol Pot s'est trouvé à Phnom Penh en position de domination de la direction centrale du parti et par conséquent du nouvel État, mais ainsi investi d'un pouvoir qui manquait d'assise propre. Le groupe réunissant Pol Pot, Nguyen Chia, Ieng Sary et un rang moins élevé Son Sen dominait le comité permanent du comité central du parti. Pol Pot présidait le parti et le comité militaire secondé aux deux fonctions par Nguyen Chia. Le groupe de Pol Pot pouvait ainsi élaborer les politiques générales du parti. Il dominait également le gouvernement avec Pol Pot au poste de premier ministre, Ieng Sary en tant que vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, Son Sen en tant que vice-premier ministre chargé de la défense, Chun Chun santé, Ieng Tirit affaires sociales et Yun Yat, culture et éducation. Il contrôlait les écoles de formation des cadres et des militaires du centre, dirigés par Chi et Son Sen. Le vrai pouvoir était aux mains des comités de zone du parti et de leurs secrétaires. Khoi Thun, zone nord, Sopim, zone est, Nesaran, zone nord-ouest, Von Vert, Sok Thuk, zone spéciale, Mul Sambat, Nimros, zone nord-ouest, et Mok, Chichun, zone sud-ouest. Ils disposaient tous de leurs propres structures politiques et administratives distinctes et de leurs propres troupes. Les positions exactes de Mok et de Von Vett par rapport au groupe de Pol Pot n'étaient pas claires. Dotés de leurs propres sources de pouvoir, et encore en accord à l'époque avec presque toutes les politiques du centre, les deux hommes étaient probablement plus comme de bons collègues. Pol Pot étant simplement au premier rang de ses pairs que comme des vassaux dociles de l'homme fort du coup. Ce passage, encore une fois, mis en avant pour battre en brèche la question d'un mouvement Khmer Rouge monolithique dans lequel il n'y avait pas de dissension, pour battre en brèche aussi cette question d'un contrôle absolu du centre sur tout, alors que, et on a pu le voir, il y avait des disparités dans les différentes zones et que surtout il y avait, comme dans tous les partis politiques, des dissensions et des groupes différents avec des luttes d'influence et une absence de contrôle, comme on a pu le voir d'ailleurs dans certains témoignages du centre sur de nombreuses communes et régions. Un autre point qui est important de souligner dans le cadre de cette audience, c'est la question des échanges commerciaux avec l'extérieur. À plusieurs reprises, j'ai entendu l'accusation évoquer cette question du riz qui était envoyé à l'extérieur, pourquoi il n'était pas distribué à la population. Nous avons eu un début de réponse avec cette question des faux rapports et le cadre qu'on a pu faire bien voir en envoyant plus de riz qu'on en avait la possibilité au détriment de la population. Il y a surtout un point qui est essentiel, qui est qu'un État ne peut pas fonctionner sans commerce, ne peut pas fonctionner en autarcie. Même pour un État comme le Kampuchea démocratique qui voulait compter sur ses propres forces, il y avait malgré tout une nécessité d'avoir un minimum de commerce et d'échange avec l'extérieur. Et dans un pays où l'industrie était quasiment inexistante, où la seule source économique était l'agriculture, et bien le mode d'échange avec l'extérieur se faisait forcément par l'agriculture. Nous avons plusieurs documents qui attestent ce fait. Tout d'abord, un extrait de l'article de Ponchou, Cambodge libéré, document E3/4-5-8-9, ERN en français 00-8-3-0-5-7, ERN en anglais 00-3-2-3-6-8-6, ERN en khmer 00-3-2-3-7-8-2-7.
Et l'intérêt de cet article est que la radio du Kampuchea démocratique et notamment les émissions évoquant la politique et la construction du pays à propos de ce qu'il a entendu sur l'économie et l'agriculture en particulier. Suivant ces principes, la radio donne une place prépondérante pour le moins la moitié de son temps d'émission au problème de construction économique. En premier lieu, l'agriculture avec la construction des digues et canaux. L'agriculture, citation, avec le riz, on peut tout avoir, acier, usine, énergie, tracteur. Nous avons vaincu les Américains grâce au riz que nous produisions. En exportant du riz, par exemple, au Sénégal, nous aurons des devises. La conclusion est qu'il faut pousser la culture du riz au maximum en augmentant les surfaces cultivées, en assurant la maîtrise de l'eau en toute saison, en augmentant le rendement par l'utilisation d'engrais et en sélectionnant les graines. Fin de citation. Donc, l'agriculture vue comme levier économique pour avoir des devises, parce que sans devises, on ne peut rien acheter, ni médicaments, ni machines, ni aucun élément pour industrialiser le pays. Et c'est un élément que l'on trouve dans un étendard révolutionnaire de décembre 1976 et janvier 1977, document E3-25. Donc l'importance de la révolution socialiste et de l'édification du socialisme réside dans le fait qu'elle permet d'édifier le pays parfaitement, dans le fait qu'elle permet de défendre le pays parfaitement et dans le fait qu'elle permet de constituer à une grande vitesse les moyens de subsistance de la population. Nous avons besoin d'une démographie qui soit de l'ordre de 15 à 20 millions de personnes par rapport à la superficie de notre territoire. Pour pouvoir augmenter la population rapidement, les conditions de vie et la santé de cette population doivent être améliorées à coup sûr. Donc, il est alors impératif de faire de la production générale à une grande vitesse. Les fonds qui viendraient de l'exportation seraient réservés pour élargir le secteur agricole, le secteur industriel, et pour subvenir aux besoins de la population. Il n'y a rien d'autre en dehors de tout cela. Fin de citation. Et cette question des échanges commerciaux avec le peu d'États avec lesquels il y avait des rapports se retrouve dans un document E3-1485, le service de presse, service radio, évoque la réception par M. Kusampan d'une délégation commerciale de Yougoslavie. On retrouve cela à l'ERN en français, 00743648, ERN en Khmer, 00741415, et à l'ERN en anglais, 00168405. Et c'est une émission radio du 3 février 1977 où il est évoqué que Sampan, en sa qualité de président du Présidium de l'État du Cambodge démocratique, a reçu au palais des hôtes d'État d'une délégation économique et commerciale de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Il était présent aux négociations pour la partie cambodgienne, le camarade Van Vett, premier ministre chargé de l'économie, le camarade Jordan, président du comité du commerce, le camarade Chen An, président du comité de l'industrie, ainsi que plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères. Pour la partie yougoslave, étaient présents tous les membres de la délégation, ainsi que Novak Prokovic, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République fédérale socialiste de Yougoslavie à Phnom Penh. Fin de citation sur
cette partie et inscrire Thierry Essence dans une deuxième émission toujours du 3 février 1977. Donc même le RN en français et peut-être le RN suivant dans les autres langues où il est évoqué la signature à l'issue de cette visite d'un accord économique. Et voilà ce qui est précisé. Un accord de coopération économique et commerciale a été signé entre les gouvernements du Cambodge démocratique et de la République fédérale socialiste de Yougoslavie au ministère des Affaires économiques dans l'après-midi du 3 février à l'occasion d'une cérémonie présidée par le camarade Van Vet, vice-premier ministre du gouvernement du Cambodge démocratique chargé de l'économie. Était présent à cette cérémonie pour la partie cambodgienne le camarade Chuan Dan, président du comité du commerce, le camarade Cheng Am, président du comité d'industrie, ainsi que d'autres membres de la délégation économique et commerciale du Cambodge démocratique. Et ensuite, on évoque la présence et la composition de la délégation yougoslave. Donc, février 77, accord avec accord de partenariat économique avec les Yougoslaves. Et on verra un petit peu plus tard avec un autre document comment cet accord et cette coopération a pu se manifester concrètement. Doit être dit sur l'aéroport de Kampong Chenang, qui est une manifestation des accords et de la coopération qui a pu avoir avec la Chine. Mais tout d'abord, une première précision, puisque la question d'une visite d'un certain Q sur le site de l'aéroport a été évoquée. Je voudrais relever un certain nombre de documents qui évoquent que le seul Q qui était responsable des aéroports militaires, puisqu'il était établi que l'aéroport de Kampong Chenang était un aéroport militaire, que le seul Q qui était responsable de ces affaires militaires et de la défense nationale, c'était Sun Sen, dont l'alias était Q. Et je renvoie à ce sujet au PV E3-182 qui est un procès verbal du comité permanent du 9 octobre 1975 où on voit bien que le camarade Q est Sun Sen et c'est à l'ERN en français 00-29-28-68 à l'ERN en Khmer 00-19-1-08. Je vais répéter, pas de soucis. L'ERN en français, c'est la première page dans toutes les langues. L'ERN en français est le 00-29-28-68. L'ERN en Khmer, 00-19-1-08. Et l'ERN en anglais, 00-18-33393. Et au numéro 6. Cette page, on voit camarade Pieu, dont nous savons qu'il s'agit de Sun Sen, de l'alias de Sun Sen, responsable de l'état-major et de la sécurité. Un autre document, cette fois-ci un procès-verbal, E3-222-222. Procès-verbal de la réunion du comité permanent du 15 mai 1976, ERN en français 00-32-3-8-9-2 et en anglais 00-18-2-665 et l'on voit que le super camarade Kieu rencontre la question au point 2 de la question des aéroports et c'est bien le camarade Kieu Sun Sen qui fait ce
ce rapport. Un autre point, évoquant également la question des aéroports militaires, un autre document, il s'agit du document E3-235. Et cette fois-ci, c'est à l'ERN en français 00-322-970 à l'ERN en Khmer 00-1-9-1-4-5 et à l'ERN en anglais 00-1-8-3-4-1-9. Et là, c'est la partie qui m'intéresse, c'est au grand 3, au sujet des affaires de défense nationale. Et on évoque bien au petit 2, les aéroports militaires, et on évoque le fonctionnement de Kampong Chhnang, l'aéroport de Kampong Chhnang, qui montre bien que c'est bien un aéroport militaire du ressort des affaires de défense nationale. Donc, c'est un point que nous tenions à faire. Sur cette question, et j'en reviens maintenant à la question de la coopération économique et militaire avec les Chinois, sur l'exemple de Kampong Chhnang. Et c'est intéressant de noter ce que peuvent dire certains auteurs sur cette coopération chinoise et quels étaient les fondements. Et je renvoie notamment à un extrait de l'ouvrage de Philippe Short, Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar. Document E3-9, ERN en français 00-639-8-4-4, ERN en anglais 00-3-9-6-5-0-9, ERN en Khmer 01-3-1-2-4-1-3. Voilà ce que dit Philippe Short à propos des relations entre la Chine et le Confucius démocratique. Leurs relations étaient purement pragmatiques. La Chine offre au Cambodge une aide économique de grande ampleur, une formation technique, des fournitures militaires et des débouchés pour ses maigres exportations. Le Cambodge assurait à la Chine une base avancée solide pour sa stratégie d'endiguement du Vietnam. Fin de citation. Un autre passage de cet ouvrage évoquant cette assistance économique. ERN en français 00-639-8-4-5. ERN en anglais 00-3-9-6-5-1-0. Et malheureusement, il n'y a pas de traduction en Khmer. Donc, j'aurais écouté. L'importance de l'assistance économique promise était tout aussi impressionnante. Paul demanda qu'on accorde la priorité à la réparation des routes et des voies ferroviaires, notamment de Phnom Penh à Battambang et à Kampong Som, et que la Chine fournisse des péniches destinées aux transports fluviaux. Il faudrait ensuite reconstruire les usines endommagées par la guerre, spécialisées dans la transformation d'articles d'exportation, caoutchouc, bois tropicaux et produits de pêche. À la fin de l'année, un accord avait également été conclu sur la construction et plus fréquemment la reconstruction de 29 entreprises industrielles dont la raffinerie de pétrole détruite par des bombardiers américains au moment de l'affaire du Mayaguez, des usines textiles, des fabriques de verre et de pneus, une papeterie, des usines d'engrais et de produits pharmaceutiques, une mine de phosphate et une cimenterie. De surcroît, plus de 300 officiers et techniciens de l'armée chinoise, accompagnés d'un nombre encore supérieur de civils, furent envoyés au Cambodge pour diriger des programmes de formation, tandis que près de 600 stagiaires khmers se rendaient en Chine. Fin de citation. Ce passage est intéressant parce que, en plus d'évoquer les bases
de cette coopération chinoise, on note à quel point la situation économique du Kampuchea démocratique était sinistrée et pourquoi il était nécessaire d'avoir un minimum d'exportation pour avoir des devises pour reconstruire une industrie qui était plus que moribonde. Et c'est un élément que l'on va retrouver aussi dans un autre témoignage. Mais avant d'arriver à ce témoignage, je voudrais simplement sur la question de la coopération avec la Chine et de quel le rôle joué par la Chine dans le cadre des politiques du PCK pour envoyer à deux documents qui existent au dossier. Le document E3-7294 qui est un article de décembre 2011 intitulé « Quel rôle la Chine a-t-elle joué dans le Cambodge des Khmer rouges ?» Et un autre article, document E3-7321, intitulé « Éclairage sur les galeries oubliées des Khmers rouges » éclairage sur les galeries oubliées des Khmers rouges » et qui spécifiquement évoque la question de l'aéroport de Kampong-Chinang. Et pour en revenir à la question des exportations et de pourquoi il était nécessaire d'avoir un minimum de devises dans le cadre du fonctionnement d'un État. Un exemple de coopération qui se retrouve dans le témoignage d'une certaine Kovani, document E3-5659, que nous citons aujourd'hui dans le cadre de la présentation de documents clés parce que c'est une personne qui est décédée et qui ne pourra pas venir témoigner dans le cadre de ce procès. Et elle évoque son expérience dans le cadre de la récupération de produits pharmaceutiques. Et voilà le passage qui m'intéresse. Il se trouve, il débute à l'URN en français, 00-6-1-4-0-8-2. À l'URN en Khmer, 00-6-0-2-3-6-0. Et à l'URN en anglais, 00-4-4-2-6-5-2. Et ça se poursuit ensuite sur les pages suivantes. En 1975, nous avons réparé l'équipement de l'hôpital en faisant de la récupération dans les autres hôpitaux de la ville. Plus tard, nous avons eu l'aide de la Chine et avons eu de nouveaux équipements. L'usine pharmaceutique était en 1975 située à l'ancienne PAC, l'usine nationale dans l'ancienne société. Au début, on y fabriquait des médicaments modernes. Et ensuite, on ne faisait plus que des médicaments traditionnels après que d'autres usines ont ouvert leurs portes. Ainsi, en 1978, on produisait également à l'ancienne Dumex, une usine privée danoise dans l'ancienne société P2, avec Nat en tant que présidente. Ensuite, à P3, l'ancienne ENAPA, National Pharmaceutical, une entreprise moderne à Toulcock, qui avait été une entreprise mixte, semi-privée, avec Moon en tant que présidente, et enfin AP4, l'ancien Institut Pasteur, pour les sérums et les vaccins modernes, dont le président était un intellectuel. Selon les prévisions, la production devait augmenter. Mais en pratique, elle n'a jamais pu atteindre les quotas. La production a augmenté, mais elle n'a pas atteint les quotas. Les quotas étaient trop élevés et n'ont pu être atteints. Les médicaments nécessaires, tels l'aspirine, les vitamines et les sulfamides, étaient produits en grande quantité à partir de restes de stock d'ingrédients. Avant 1970, il y avait beaucoup d'usines, notamment beaucoup de petites usines privées. Alors,
la production après 75 n'était pas aussi élevée parce que nous utilisions tout au plus 4 usines. Je dirais qu'après 75, la production correspondait à moins de 10% de la production d'avant 70, bien que je ne dispose pas de chiffres précis. Les médicaments étaient distribués aux hôpitaux à Phnom Penh. Ils devaient en faire la demande au ministère de l'Action sociale qui les dirigeait. Je n'ai jamais entendu parler de conflit entre les hôpitaux de Phnom Penh concernant cette distribution. Le reste était distribué aux zones. La répartition n'était pas identique. Je pense qu'elle était peut-être basée sur le nombre de gens dans chaque zone ainsi que sur les besoins militaires dans chaque zone. Dans les usines, nous utilisions initialement le matériel disponible. Plus tard, il était prévu d'acheter du matériel chinois pour fabriquer nos médicaments habituels. Mais le matériel n'est pas arrivé avant l'attaque des Vietnamiens. Nous avions aussi beaucoup de médicaments qui nous venaient de Chine et de Corée. On nous disait que ce n'était pas de l'assistance, que c'était échangé contre du caoutchouc et du riz. Je ne sais pas si d'autres médicaments étaient produits dans le pays ou obtenus au moyen du troc. Le système de distribution pour ces médicaments importés était le même que pour les médicaments produits localement. Il y avait aussi une grande usine de médicaments traditionnels dans la zone centrale. Elle était considérée comme une usine type 1. Il y avait aussi des usines traditionnelles dans les autres zones, mais elle n'était pas aussi connue. À l'hôpital du 7 avril, il y avait de nombreux conseillers chinois dans chaque service. Ils traitaient les patients et donnaient des cours de spécialisation à de petits groupes. Mais l'école médicale qui formait les médecins qui devaient aller dans les zones était entièrement Khmer. Fin de citation. Donc ce passage de cette déclaration de ce témoin Khouvani est intéressant à plusieurs titres. Premièrement parce qu'il fait écho à un témoignage d'un témoin dont le nom m'échappe tout de suite, mais qui a évoqué cette question de rassemblement de médicaments dans Phnom Penh et ensuite de la réception de médicaments chinois dont les notices étaient lues par des gens qui parlaient chinois. Il est important aussi parce qu'elle évoque dans son témoignage la question du troc qu'il peut y avoir entre certaines matières comme le riz ou le caoutchouc, justement pour avoir accès à des médicaments qui n'étaient pas disponibles au Cambodge démocratique. Et là encore, c'est un élément important sur la question des échanges commerciaux. Et toujours sur la question des échanges commerciaux et de l'aide extérieure, un autre document rappelle ce besoin de devises qu'il y avait. Il s'agit du document E3-230-230 à l'URN en français 00-301-330 à l'URN en Khmer 5x0-7-1-1 et ça se poursuit sur la page suivante et à l'URN en anglais 00-6-9-9-1-1-8 ça se poursuit sur la page suivante. Et au point 4 de ce qui est un procès-verbal de la réunion du comité permanent de la nuit du 22 février 1976, au point 4 est évoqué la question des aides de 3 millions de dollars de la Yougoslavie, donc là encore un parallèle avec la réception de la délégation yougoslave par Que Sampan par avant. Ce partenariat économique s'accompagne aussi d'une aide qui était vitale à ce moment-là, et donc il est évoqué les aides de 3 millions de dollars de la Yougoslavie. Et voilà ce qui est indiqué. Proposer d'acheter des médicaments pour 1 million de dollars, notamment des médicaments antipyrétiques, des médicaments de traitement de toutes sortes de virus, tels que les antibiotiques, les médicaments de force et les sérums, etc. Au point numéro 7 de ce même document, on évoque également la distribution du riz venant des aides de la Chine et est indiqué proposer de distribuer un certain nombre de riz
A, du côté du super camarade Mout, 5000 sacs, du côté de Kokong, 3000 sacs, la région 25, 10 000 sacs, quant au nombre restant, gardé en réserve et pour usage à Phnom Penh. Fin de citation. Donc là encore, question des échanges commerciaux, oui, il y a de l'envoi du riz, parfois en Chine, il y a aussi de la distribution de riz venant des aides de la Chine, c'était un moyen d'avoir un commerce extérieur. Enfin, j'arrive à la fin, vraiment pile poil de mon intervention. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments dont nous avons débattu sur le rôle de Que Sampan, que ce soit dans le cadre du procès 02-1, que ce soit dans le cadre des réponses que nous avons pu faire dans la présentation des éléments par l'accusation dans d'autres audiences de documents. Simplement, puisque Yang Tirit est décédé, il nous fallait mentionner quand même un point qu'elle a évoqué dans le cadre de son interview avec Elizabeth Baker. Vous l'avez certainement en mémoire, à de nombreuses reprises, M. Que Sampan a expliqué qu'il n'avait jamais eu connaissance de S21 pendant la période du Kampuchea démocratique, mais après, et voilà ce que dit à ce sujet Yang Tirit, c'est un document qui est une transcription audio de son entretien avec Elizabeth Baker, document E3-659, du coup, j'ai fait la bêtise de ne pas noter l'URL dans les autres langues. Je vais vous le retrouver incessamment sous peu. En français, en tout cas, l'URL est le 00743049. Ah oui, bah là, il y a une mention de temps, donc c'est entre la 30e et la 32e minute. Et voilà. Ce que Yang Tirit, on lui laisse la maternité de ses propos. Et Elizabeth Baker lui demande, vous pensez que tout cela est une pure invention, que tout est inventé? La réponse de Yang Tirit, c'est une invention des Vietnamiens sur calomnie. En effet, j'ai vu à Cuba, lorsque je suis allé à Cuba pour la première fois, j'ai vu tout le slang sur TV à Havane. J'assistais à une conférence avec Que Sampan et à l'époque, nous étions assez surpris. Fin de citation. Du côté de la défense de Que Sampan n'a jamais dit que S21 n'avait pas existé, que c'était une invention des Vietnamiens. Mais en tout état de cause, si on vient à dater le moment où il a eu connaissance par le biais de ce documentaire sur S21, de l'existence de S21, nous avons une indication par Yang Tirit d'un moment à Cuba. Voilà qui marque, Monsieur le Président, la fin de la présentation des documents clés sur ce segment. Je tiens à rappeler que, évidemment, la question de la responsabilité individuelle de Que Sampan sera examinée dans nos écritures finales, mais puisque nous n'avons pas pu le faire avant dans le cadre des autres enseignements, il était important de présenter les documents sur les politiques du PCK qui n'ont pas été exploités autrement dans le cadre des débats devant cette chambre. យកមកវិភាសាមិននៅក្នុងការជំនុំជម្រះសេចក្តីយើងនេះបាទអរគុណហើយនៅរសៀលនៅព្រឹកនេះយើងមានបញ្ហាមួយទៀតដោយសារនៅរសៀលនេះយើងមិនធ្វើសំណាក់ការដូច្នេះគឺអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់សារណាប់ទមត់របស់ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយសារភាពរបស់ជំមីហើយជាបន្តទៅនេះអង្គមានសូមមានបំណងស្ដាប់សារណាប់ទមត់របស់ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធនឹង ការទទួលយកឬមិនទទួលយកនៅចម្លើយសារភាពរបស់ជំមីធ្វើជាឯកសារភស្តុតាងកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2006អង្គជំរះបានជូនដំណឹងទៅភាគីនានាតាមរយៈអនុស្រណៈដែលមានឯកសារលេខ E455ក្នុងនោះអង្គជំរះបានបញ្ជាក់ថាអង្គជំរះបានរកឃើញចម្លើយសារភាពរបស់ជំមីដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស.21របស់កាយឡ័យថាចក្រមស៊ើបអង្កេត E3/10604
លេខរៀងគឺ 403-7-34-8-4 ហើយការបកប្រែចម្លើយសារភាពនេះទៅជាភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសនោះគឺនឹងរួចរាល់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយដូច្នេះអង្គញ៉ាំរះមានបំណងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីនានាថាតើអង្គញ៉ាំរះគួរទទួលយកចម្លើយសារភាពខាងលើនេះធ្វើជាឯកសារភស្តុតាងដែរឬយ៉ាងណាហើយជាដំបូងនេះអង្គញ៉ាំផ្ដល់លើការជូនទៅសហប្រញ្ញាដើម្បីឡើងធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់ឬក៏តម្កល់លើការទទួលយកចម្លើយសារភាពនេះ សូមអរគុណលោកប្រធានយើងយល់ស្របថាឯកសារគួរតែទទួលយកហើយយើងសំណូមពរឲ្យទទួលយករសារទៅវាមានភាពពាក់ព័ន្ធផ្អែកទៅលើការស្នើឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីនួនជាថានួនថាជំមៃមិនដែលធ្វើការនៅសម្ភៃមួយទេហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាភស្តុតាងថ្មីមួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើឯកសារដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលជាឯកសាររបស់ជនរងគ្រោះនានានៅសម្ភៃមួយសូមអរគុណបាទអរគុណហើយបន្តទៅនេះផ្ដល់ការជូនទៅសហមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមនឹ
Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que j'étais un peu surprise par le mémo de la Chambre parce que, après examen du document, nous avons réalisé que ce document a déjà été admis en preuve par la Chambre par une décision du 30 juin 2015, E305/17, cette confession porte le numéro E3/9253. Nous avons comparé les deux versions. La seule différence est que la nouvelle version donnée par le professeur était une version en couleur, mais la version en noir et blanc existe au dossier. Et je pense que peut-être l'accusation a oublié, mais elle s'est servie de cette confession. Je crois que c'était Monsieur le procureur de Vigne. Elle s'est servie de ce document lors de son interrogatoire du témoin de Khmer. À notre sens, il n'y a pas besoin de reverser à nouveau un document qui est déjà versé en preuve sous la cote 3/9253. If I could briefly respond, we still think it's relevant as the providence of this document. លំលែងនេះផ្ដោតតាមរបស់ឯកសារនេះគឺច្បាស់លាស់ណាស់ដោយសារតែវាជាឯកសាររបស់សាស្ត្រាចារ្យអាល្លឺម៉ង់ហើយវាគឺជាឯកសារដែលថតចម្លងច្បាប់ដើមតទៅទៀតជាឯកសារថតចម្លងច្បាប់ដើមទៀតផងសូមអរគុណ
En tout état de cause, Monsieur le Président, si vous souhaitez avoir en annexe la version en couleur de ce même document, il n'y a pas de raison qu'il y ait un numéro de trois différents, puisque le contenu est le même et que, en tout état de cause, c'est surtout les mentions qui figurent, puisque le contenu ne saurait être utilisé. Mais en tout état de cause, il est déjà versé au dossier. បាទអង្គជំរះសូមអគុណនៅការសារណាផ្ទាល់មាត់ឬក៏ការកាត់ទំព័រ ប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនជាប់ចោតទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរគុំខាំងនៃអវតកវិញចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះរសៀលជាកំហិតសម្រាប់ចុះ